monde, c'est Cohen et bienvenue dans ce 61e épisode du Let's Play sur ACNH. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble les jardins de mes habitants. Il y a eu cette idée qui m'a été proposée dans les commentaires de la précédente vidéo du Let's Play. Et j'avoue que je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que c'est une très bonne idée de finir par... Parce qu'on a fait les maisons la dernière fois et du coup ce serait... logique, en toute logique, hein, qu'on fasse maintenant les jardins des habitants. Au moins, comme ça, ça sera fait. Alors, je sais pas si on va réussir à tous les faire aujourd'hui. Je vais voir en fonction du temps qu'on aura, etc. Mais du moins, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avancer dans les jardins des maisons des habitants. Donc, écoutez, sans plus tarder, je propose qu'on aille dans le jeu et qu'on avance un petit peu notre aventure. Let's go! Allez, sur ce, on est parti, mais je crois qu'il fait pas beau. Non, on va pas jouer maintenant. Il fait trop moche dans le jeu, là. Je vais me remettre à la date du jour. J'espère qu'il fait pas moche dans mon jeu. En ce beau jour officiel qui est le jeudi 27 juin. On est bientôt en juillet, mine de rien, là. Le temps, il passe super vite. Normalement, vous voyez cette vidéo le 29, ou après, si vous avez pas vu la vidéo, à la sortie de la vidéo. J'en profite aussi, tant qu'à faire, parce que j'ai absolument fait aucun rappel au début de la vidéo, comme d'hab. Hein. Pour ceux qui auraient encore loupé l'info, je sais pas comment c'est possible, mais on sait jamais. Je fais aussi des lives sur Twitch et c'est une grosse partie de mon métier, donc venez me rejoindre là-bas, c'est gratuit, il faut juste un compte pour parler, c'est à partir de 13 ans, donc n'hésitez pas. Actuellement, ça va très bientôt et très prochainement être les vacances scolaires et moi je vais streamer tous les jours, donc j'ai essayé de vous occuper au max pendant vos vacances si vous partez pas en vacances. D'ailleurs, si jamais vous partez en vacances, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, faites-nous rêver, que ce soit en France ou à l'étranger, peu importe. Moi pour l'instant, j'ai rien de prévu en particulier, je vais juste passer genre un petit week-end dans le nord pour aller voir l'aquarium Nausicaa avec des copains, voilà, je vous raconterai ma vie. Enfin bref, si jamais il y a ma chaîne Twitch qui est affichée à l'écran. Franchement, venez, je vais vous occuper pendant vos vacances, ça va être cool, on va s'amuser. Oh, il fait pas très beau aujourd'hui. Et bref, si jamais aussi, si vous pouvez pas avoir Twitch et si jamais vous n'avez pas l'envie, il y a la chaîne de rediffusion qui rediffuse tous les lives si vous voulez quand même assister au live, mais d'une manière différente. C'est Cohen Replay, vous avez tout, de toute façon, qui est en description. Tous les liens sont en description, ils sont disponibles pour tout le monde. Vous avez juste ouvert la description et cliquez sur le lien, ça vous renvoie directement à la chaîne en question. Ou vous pouvez taper sur YouTube directement Cohen Replay et vous allez tomber dessus. Je veux pas vous forcer la main, hein, mais franchement, en ce moment, je suis extrêmement créative sur ce que je fais en live, donc voilà, je mets ça là, n'hésitez pas encore une fois. Bon, aujourd'hui là, il fait un peu moche dans le jeu, je sais pas trop si c'est cool ou pas, en vrai ça va, mais c'est vraiment pas très beau. Je pense qu'on va devoir enlever un petit peu tout ça, alors on va essayer de faire les jardins de ces habitants là, déjà aujourd'hui pour commencer, pour qu'on se remette un petit peu dans le bain. Il va falloir qu'on aille chercher l'entrepôt, table de craft et tout, alors je sais pas du tout où on les a posés la dernière fois qu'on s'en est servi en fait, qu'on s'en est servi, pas qu'on s'en est servi, ça veut rien dire. Je vais récupérer les petits trucs comme ça, au play. Je sais pas si là on a des trucs à récupérer, on m'avait dit la dernière fois quand j'avais fait les petits lacs là. En vrai, limite, go faire une petite piscine, en fait, plutôt que de faire ça. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Et je crois que j'ai même des motifs de piscine, en plus, donc... Ouais, j'ai récupéré des motifs de piscine, donc limite, on va pouvoir en faire, en fait, à la place de faire ce que j'ai fait. Faut que je vois si ça passe ou pas. En vrai, là, on pourrait se faire un petit truc sympa. Mais ça va être des mini-piscines, hein, mais c'est pas grave, au moins, il y en aura. On va déjà s'occuper des trois jardins d'habitants ici, pour commencer, ce sera déjà pas mal. Et on verra la suite après. Parce que mine de rien, c'est quand même des parties qu'il faut qu'on fasse, hein, pour avancer sur l'île. Donc voilà, il faut qu'on les fasse. Donc je vais aller récupérer ce que je vous disais, entrepôt et table de craft. Mais je sais pas du tout où on les a mis, je crois qu'ils sont en plein milieu du chemin, non? Il y a pas un truc comme ça? Qu'est-ce qu'on avait crafté et fait dehors la dernière fois? Ah moi je les ai? Ah bah non, je l'ai sur moi le débarras. Non bah je l'ai sur moi, bah écoutez c'est bon en fait, on va pouvoir directement travailler, j'étais prévoyante apparemment. Bon déjà on va placer le débarras ici, on va le poser là. Et je vais en profiter, oh il est grand. On va en profiter pour remballer un peu tout là, parce que j'ai beaucoup de choses dans mes poches, mais pourquoi faire? On va ranger tout ça. Les tickets maïs nook et tout, on en a plus besoin honnêtement. Perche et échelle, c'était surtout pour les chasses à l'habitant. Hop, et je vais du coup récupérer mon petit remodel et surtout les maïs que j'ai parce que ça va vous stresser, je suis désolée d'avance. Ah c'est quoi? Ah c'est chasse aux gyroïdes, ok. Je pensais que c'était un maïs plus, mais non, même pas. Ah j'en ai d'autres? Bah qu'est-ce que c'est? Ah, labeur quotidien, je pense, ouais. J'ai joué 100 jours différents dans le jeu, c'est fou, hein. Allez, on va prendre le remodel, on a dit. Je vais du coup casser tout ça. Bon, je vais le pousser un peu comme ça parce qu'il est un peu dérangeant là, en plein milieu. Ici, en vrai, j'aimerais bien faire une piscine. On peut faire une piscine, en vrai, on a 4 carreaux. Attendez, on va tester. Et puis on va faire un peu des dalles qui reviennent jusqu'à la porte. J'ai ma petite idée en vrai, franchement, j'ai mes petites idées. Évidemment, comme ça. Et là, on va mettre l'escalier. Ça peut le faire, franchement. C'est sympa en vrai, je trouve. Voilà. Du coup, je vais prendre le remodel. Non, pas ça. Je me trompe de truc. Ça. Et je pense qu'on peut même mettre ça autour. Hein. On a plein de motifs en vrai. Je sais pas ce que je pourrais faire. On va mettre ce motif-ci. On va faire une terrasse à l'habitant. Ça peut être stylé. Et... on va mettre ça autour, histoire de faire un peu piscine quand même. C'est quand même cela. Imagine, t'es chez toi comme ça, t'as une petite piscine là. Oh,
franchement, ce serait cool. J'adorerais. Alors, on va faire ça comme ça. On va quand même essayer de laisser une petite ligne pour mettre des plantes, des buissons, des fleurs, je pense. Ça pourrait être cool. Et en haut, là, on va remettre peut-être des dalles. Je sais pas, pour séparer le chemin. Si je mets des dalles ici, ça fait comment? Si je remets mes dalles comme ça. Je peux même laisser un espace là-haut pour mettre un palmier, pourquoi pas. Comme ça, au moins, ça ferait un petit peu de verdure en fond et un peu de grandeur. Ça peut être stylé. Alors, attends, on va commencer comme ça. Déjà, on va essayer. Je vais me permettre. Je vais récupérer le palmier là. Parce que j'ai la flemme de le faire pousser et de time travel. Comme d'hab, vous avez l'habitude. Et on va planter celle-ci. Comme ça, ça va repousser tranquillement. Et on aura le temps de refaire cet endroit. Et là, du coup, on va planter directement. Ah bah non, il faudrait peut-être aussi que je mette le motif de sable. Sinon, ça marche pas. J'ai absolument pas du tout tout acheté. C'est fou. Hein. J'aurais pensé que j'avais tout acheté, mais non. Cette partie, elle est vraiment un peu à la bourre en vrai. Enfin, à la bourre, ça va, mais. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Bon, en tous les cas, on va pas avoir le choix de tété. Parce qu'on va devoir mettre des buissons et tout. Et en graines, on a quoi? Rose blanche, rose jaune, tulipe jaune, cosmos blanc. Ok. Et en meubles, meubles du coup de terrasse. J'ai trop envie de mettre une table parasol. Petite jardinière, attendez, peut-être qu'on peut faire un truc sympa avec ça. J'en ai plus des tables parasol là? Ah, no way! Ah si, j'en ai, j'allais dire quand même. Oh non, j'allais pleurer là. J'allais être dégoûtée. Au niveau des chaises, on peut mettre pouf marocain, toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre autour de la piscine? On pourrait mettre une arche géante de fête. Oh, des petites, petits chefs Lera, why not? Du tas de papier. Oh, je pourrais mettre ça sur la terrasse. Un petit vélo de ville, en mode garé. Et après, c'est des trucs un peu trop naturels. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on peut mettre au bord de la piscine? On pourrait mettre une petite glacière, en vrai. Je pourrais mettre un petit ballon de plage, mine de rien, pourquoi pas? En fait, je cherchais là-dedans si j'avais pas des... Ah, mais si, j'en ai une, des bouées. Mais je me dis peut-être que je vais pas... Enfin, ça va être bizarre, non? On va tester. Testons, essayons. On peut pas savoir si on n'a pas essayé, encore une fois. Alors, en vrai, là, j'aimerais bien... Je sais pas si ça va passer, si ça va être beau, mais mettre une jardinière haute ici, histoire d'un peu équilibrer. Ici, de mettre une table parasol. Donc, je vais équilibrer le fond pour pas qu'il y ait un trou de deux cases, quoi, je veux dire. Et là, je vais mettre un pouf marocain, comme ça. Bon, cette fois-ci, il est pas bugué. Dommage, j'aurais bien aimé. Là, je vais mettre la fameuse petite bouée gonflable. Ah, quoi que je pourrais même la mettre dans l'eau, en fait, au lieu de m'embêter sur la mettre... Enfin, de la mettre comme ça. Donc. Voilà, like that. Ici, j'aurais bien aimé... En vrai, venez, on fait une ligne de terre. Je me dis, ça peut être slay pour planter les fleurs. En mode petit endroit bah, de jardin. Seul endroit qu'il y a. On va planter ici, du coup, frangipanier. Je vais mettre blanche, tulipe jaune, cosmos blanc, rose jaune. On va faire ça comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Ballon de plage. Je pense que ça, je vais le mettre sur l'eau de piscine. Parce qu'on va en faire deux. Je vais mettre une glacière ici. Petite glacière au bord de piscine. Peut-être plus sur le côté là-bas. Ici, je voudrais bien mettre un petit biotope en pot. Voir si ça passe bien. C'est pas choquant. Là, je vais mettre un vélo de ville. Ici, comme ça, prête à partir. Ah, peut-être plutôt dans l'autre sens, attendez. J'ai moins dans ce sens-là. Comme ça. La guirlande, je sais pas si je vais pouvoir la mettre. Hein. Sauf si je la mets là, mais ça va empêcher le fait qu'on puisse passer. Non, ça va pas trop. Même le biotope, en fait, je pensais que ça passerait ici, mais pas trop. Ça fait un peu bizarre. Après, je peux mettre un petit tas de papier, ça va meubler le sol et puis on sera bien. Ah, j'ai un étendoir à linge aussi. Peut-être le mettre là, attendez. Ah, il est pas dans le bon sens. Ou peut-être pas ici, peut-être plutôt sur le bord là, comme ça, je pense. Ce serait peut-être un peu mieux. En mode, ça sèche devant la maison, trop slay. Et là, on pourrait mettre limite un chef Lera quand même, histoire de dire. Et je voulais mettre un tas de papier au milieu, comme ça, voilà. Là, en vrai, c'est pas mal, j'aime bien. C'est mignon, je trouve. Faudra qu'on time travel pour faire pousser. Alors, ici, on va faire un peu le même genre d'endroit. Je pense que c'est pas trop mal de partir sur ce que j'ai fait. Sur quelque chose comme ça, du moins. J'aime bien l'idée, en fait, que ce soit symétrique et tout. Ça fait vraiment moderne. Ça fait vraiment un truc un peu de riche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre à Dubaï. À Dubaï, ils sont grave un peu comme ça. Ça slay un peu. Animal Crossing à Dubaï, en fait. Bon, dans tous les cas, comme on va time travel après, on va planter la petite noix de coco, comme ça. On n'a pas s'embêter. J'espère que ça va pousser, en vrai, le buisson, si je le mets là. J'espère que oui. Bon, alors là, on va mettre... Jaune, blanc, jaune, blanc. Bon, j'ai mis les deux roses à côté. Pas grave, tant pis. Ok, et ici, du coup, en vrai, là, je pourrais faire une espèce de place de parking plutôt que de faire une piscine. Mais on va quand même récupérer ça et on va quand même mettre tout autour. Au moins, on fera une petite place de parking. Ça peut être slay. On peut mettre vélo, scooter. Ça va slayer, en vrai. Et ça, c'est la maison de Julie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est chez Julie. Je suis contente, en vrai, d'avoir placé mes maisons comme ça. Ça rend bien, je trouve. J'avais hésité au début, vous savez, vous rappelez, à mettre les maisons au milieu. Et en fait, ça me permet de faire une petite terrasse sur le côté. Donc, c'est vraiment pas plus mal que ce soit comme ça, en vrai. J'apprécie l'idée, en vrai. Et là, je vois qu'on a même 4, donc on va peut-être même pouvoir mettre
Peut-être même plus de voitures en fait que prévu. Et on va mettre la petite dalle là. Au moins on change un petit peu. Ça fait un peu plus. Enfin, en fait, ce motif, on dirait qu'il y a un peu de verdure entre les. Dans les croix là, dans les plis. Dans les plis, c'est pas des plis, mais vous avez compris. Dans les intersections quoi. Et on dirait qu'il y a un petit peu d'herbe qui passe en mode. Un peu gravier, mais pas trop quoi. Enfin, ça fait pas trop gravier, mais vous avez compris, je pense, le point de vue que j'ai là-dessus. J'espère. Je vais aller récupérer des voitures. Je vais en prendre qu'une en fait, sinon ça va être too much, hein, je pense. Je réfléchis là, mais en fait, ça va être vraiment too much. Je vais mettre une voiture de luxe même, parce qu'ici on est dans le luxe et tout. Et un petit scooter. Et vas-y, un petit vélo, quand même. Au moins, voilà. Alors, du coup, j'aurais pensé du coup à mettre là. J'aurais pensé à séparer avec des jardinières hautes ici. Jardinières hautes. Jardinières hautes là. En vrai, c'est pas mal. Oui, du coup, là, on peut mettre la voiture. Comme ça, ça passe. Ici, on va remettre une jardinière haute au fond. Cette fois, on va inverser. On va mettre parasol comme ça. Mais comment ça, j'ai pas cette place? Il y a clairement cette place, en fait, bande de menteurs. Voilà, c'est pas ce que je me disais. Ce jeu me ment. Ensuite, on va mettre petit biotope en pot en fond. Ici, pauvre marocain. Ici, je vais glisser un vélo de ville. Et je vais mettre un scooter dans l'allée. Très véhiculé, Julien. Comme ça, voilà. Ça me paraît pas bien. Pas trop mal, pardon. Là, je vais ensuite mettre un petit chez Flera. Et on sera pas mal pour ici non plus. On est bien comme ça, je trouve. Ok, j'aime bien ce que je suis en train de faire. Je récupère ça, on va le déplacer parce qu'il est un peu loin maintenant. Donc là, on va devoir refaire encore une fois une petite piscine. On va enlever ça. Ok, on a rebouché ça. On va passer à l'étape chemin de terre. Oupsie, pas ici. Ici, on va mettre buisson. Et j'ai plus que 4 fleurs, mais j'en ai que une. Donc on va faire une rose jaune, une cosmos blanche, une jaune et un buisson. Voilà, on sera bien. Ensuite, on va remettre notre petite dalle de terrasse qu'on va remettre là-bas, toujours sur 3. On va placer quand même un petit carreau. Je l'ai mis le carreau de sable sur l'autre là-bas. Je l'ai pas mis, ça poussera jamais. Je vais me tuer, j'en ai marre. Ah ! Ça poussera jamais si je mets pas le carreau de sable en fait. Vous avez dû le voir, vous avez dû vous dire ah mais elle a pas mis le carreau de sable, bah voilà. Avant que vous le mettiez en commentaire, je l'ai vu. J'ai vu mon erreur. Je vais le chercher. Je sais pas pourquoi j'oublie alors que pourtant c'est vraiment un truc super évident. Je rappelle que sinon ça ne pousse pas. Hein. On va peut-être le tourner du coup parce que le café et le livre sont censés être comme ça. Ok. Alors, on va récupérer notre petit motif, hop, de petite dalle et on est parti. Hop, hop, hop. C'est la maison de qui ça déjà? J'ai oublié. C'est la maison de Coco. Ah oui, c'est vrai. Elles sont émises en vrai, les maisons des habitants comme ça. Je suis contente en vrai de les avoir remodifiées. Vous avez tous été un peu contents et enthousiastes à l'idée que je refasse les maisons. Donc c'était cool, en vrai, c'était un bon truc à faire. Et vous avez été tous un peu globalement contents des décos que j'avais fait, donc ça fait plaisir, merci beaucoup. Ah, j'ai encore des miles, qu'est-ce que j'ai fait? C'est planter des arbres, des trucs comme ça? Ah, planter des fleurs, my bad. Alors, les motifs. Je pense même qu'on peut faire ça. Ok, donc voilà pour ici. Là-haut, comme les dernières fois, ce sera jardinière haute qu'on va pousser. Ensuite, là-dedans, ce sera un ballon de plage qui flotte sur l'eau, mais on voit pas l'ombre. On va reprendre de quoi décorer cet endroit. Donc, c'est-à-dire la table parasol, évidemment, et un pouf marocain. Sinon, c'est pas drôle. Je les vois pas à cause du fait qu'elles soient super claires à chaque fois, je passe devant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Ça serait un peu too much, ça, je pense. En vrai, je sais pas trop. On pourrait mettre un ventilo. Un petit ventilo. Un chef les rats, évidemment. Un tas de papier, ça pourrait être sympa. De nouveau, l'étendoir à linge. Un petit barbecue, why not? Cette fois-ci, on va mettre un VTT. Et on pourrait même poser une planche de surf. Et ce sera déjà pas mal, je pense, si on n'aura pas cette place. Donc ici, ce sera VTT. Donc là, parasol. Quitte à faire un autre truc, attends, on va faire une autre disposition pour mettre le barbecue ici. On va pousser la table parasol comme ça. Pouf marocain, ici. Barbecue, juste là. Donc là, ça va pousser. Parfait. Ici, je vais mettre le chef Lera au bord de l'eau. Je vais placer le ventilo juste à côté. Je vais replacer l'étendoir à linge de ce côté-là. Je vais placer une planche de surf ici, comme ça. Et évidemment, un petit tas de papier pour finir la déco juste là. Ça me semble vraiment pas trop mal. Alors, je vais juste me permettre de ranger ça. Et on va time travel, histoire de juste ne serait-ce que regarder comment ça rend. Alors, on va se mettre... Bah du coup, on va aller en juillet. Hein. On va se mettre le 2 juillet, tiens. Pour que tout soit bien poussé, au moins on est sûr. Parce que je sais jamais si c'est 4 ou 5. Je crois que c'est 4. Super, c'était un beau jour de pluie. Chier, pourquoi? C'est au mois de juillet. En juillet, il pleut jamais. C'est le soleil en juillet. Je suis dégoûtée, faut que je retime travel. J'espère le 3 il fait beau. En ce moment il pleut encore. Moi sur Akumun là, dans les jours là, genre le 25, 26, 27, 28, 29, c'est vraiment des jours de pluie sur mon île Akumun. C'est un enfer. J'aimerais bien jouer à la bonne date, mais en fait c'est juste chiant parce qu'il fait trop moche quoi. Donc, un peu relou hein. Bon, ok, on est un beau jour, il fait beau là, il y a un beau temps. Je regarderai mes lettres plus tard, pour l'instant on s'en fiche un petit peu.
Et je vais regarder là-dedans comment ça rend. Et le buisson a bien poussé, trop cool. Ça rend bien. Ça rend trop bien avec des petites fleurs et tout. Pourquoi celle-ci n'a pas poussé? Pourquoi cette fleur n'a pas pris? Bah what? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma partie elle est buggée comme ça? Entre la chaise la dernière fois et ça? Ça rend bien en vrai avec mine de rien avec les fleurs et tout là. Venez on va voir... Oh non sur la carte c'est trop moche. Oh non c'est moche regardez. Oh non c'est super laid. Bon après vous me direz que tous les points de palmier partout. C'est pas très grave. On va faire avec hein. On va aller voir Marie pour qu'elle nous demande... Enfin qu'elle nous dise les étoiles. En espérant qu'on ait passé les 5 grâce à ça. Parce qu'on a quand même pas mal de fleurs un peu partout. Mais étonnez mais pourquoi la fleur elle a fait ça? Elle a pas poussé? Je comprends pas pourquoi. Pourtant il n'y en a pas 50 000 qui voulaient pousser en même temps là. C'est un peu bizarre hein, ces histoires là. Bon Marie, my friend, dis-moi. Tomno qui fait la poussière là, j'adore. Trop mims. Réputation de l'île. Putain, je suis encore à 4 étoiles. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Bon ça on s'en fiche. Tatatitatato. Fin de la citation. Depuis la dernière évaluation, beaucoup de résidents disent que l'environnement naturel de l'île s'est amélioré. Bon quand même, j'ai fait pas mal de choses. Mais nous devons pas nous reposer sur nos lauriers, continuer à multiplier vos efforts, améliorer encore davantage l'environnement naturel de l'île. Quand on parle des splendeurs de la nature, quelle est la première chose qui vient à l'esprit? Les fleurs bien sûr. Prenez le temps d'arroser les fleurs pour faire de notre île un paradis sur terre. Et voilà, la prochaine fois que vous voulez connaître la réputation de l'île, n'hésitez pas à me demander. Marie, je comprends pas parce que j'ai vraiment rajouté des fleurs un peu partout pourtant. Est-ce qu'il y en a encore pas assez? Après je comprends parce qu'il y en a vraiment pas des masses hein. C'est vrai que au niveau des fleurs, on en a pas mis beaucoup. C'est vrai, c'est un fait. Bon, pour ça, on va quand même aller racheter des graines de fleurs à la boutique Nook parce que j'en ai très peu en fait. J'adore ce coin de la boutique, franchement, vous avez été content la dernière fois quand j'ai fait ça, vous avez trouvé ça sympa aussi. Je suis contente, merci pour vos retours toujours sur les let's play, ça fait du bien, ça fait plaisir de vous lire. Désolée si des fois j'ai un peu de temps à vous lire ou à répondre ou à liker, c'est que j'ai pas encore regardé tous les messages. Mais normalement, je vous lis tous et je vous mets tous un petit cœur. C'est pas forcément pour vous mettre un vu hein, c'est pas un vu, c'est juste pas prenez le petit cœur comme un merci beaucoup. Des fois je sais pas trop quoi répondre ou des fois juste j'ai pas trop le temps de répondre mais je lis le message au moins je prends le temps de le regarder en fait tout simplement. On va prendre des cosmos. C'est des belles fleurs en vrai le cosmos. On va prendre des jaunes. Les rouges, je les aime pas du coup, je vais prendre que jaune et blanche, rose blanche. Ensuite, rose jaune, on va en prendre quand même un peu hein parce que bon, faut quand même en récupérer un petit peu. N'abusons pas des bonnes choses mais tout de même. Les roses jaunes, elles sont mimi. Elles sont belles en vrai les roses jaunes, elles ont une belle couleur. Les jacinthes jaunes, elles ont une très très belle couleur aussi. J'ai quoi après? J'ai des tulipes. Écoutez, on va prendre tulipes blanches pareil, 10. Je veux quand même que mon île ait 5 étoiles mine de rien en vrai franchement. Ça m'embêterait que mon île n'ait pas 5 étoiles dans ce let's play. On va tout faire pour les avoir mais si vraiment ça passe pas et qu'on a tout décoré et tout, bah tant pis, ce sera pas très grave mais c'est vrai que ce serait bien quand même qu'on les ait quoi. Après tout son travail de même. Quand on aura terminé l'Ubi, j'ai de superbes projets pour cette Switch. J'espère que ça vous plaira. Je vais pas vous spoiler pour l'instant, je vais vous laisser la surprise de quand je vous le dirai et quand je vous annoncerai. De toute façon, on est encore un peu loin de la fin, enfin un peu loin. On se rapproche, hein, regardez mine de rien, là ça c'est fini comme zone. C'est très beau en vrai, moi j'aime beaucoup ce qu'on a fait là. On a mis des fleurs partout en vrai, je comprends pas trop. On peut peut-être en remettre quelques-unes ici, peut-être que c'est ça qui fait pose problème entre guillemets. On va remettre des fleurs, hein, c'est pas grave, on peut en mettre un peu partout. Et rose jaune, tulipe blanche. On va mettre des variés un petit peu. Cosmos jaune, rose blanche. Allez, on fait ça. Mais là, on n'a pas mis de fleurs ici. Pas. Mais je peux passer derrière. Là, pourquoi je m'embête? Mais non, je peux pas passer derrière à cause de ça. Bon, attendez. On va tirer ça. J'ai pas mis de fleurs derrière là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc là, ça poussera. Et là, il y en a une. Ok. Donc là, c'est bon. Là-bas, on a dit qu'on mettrait des fleurs. Donc pareil, on va en mettre. Donc ce sera blanche, jaune, jaune. Ah mais ça l'a pas bien mis. Donc blanche, jaune. Donc là c'est jaune. Et là c'est blanc. Voilà. Comme ça ici au moins on aura fini ce petit coin. Parce qu'on passe devant tout le temps en vrai. Au moins là on est good. Hop. Là on pourrait mettre des fleurs aussi. Je vais mettre jaune, pan tulipe. On va mettre deux autres types. Cosmos et rose. Comme ça on a un peu de couleur ici. On va faire de même là. Au moins on a un petit peu de verdure et tout. Moi j'aime bien l'idée. Rose blanche, cosmos jaune, tulipe jaune. Donc ça, ça poussera. Et si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs, on pourrait en mettre une ici quand même. Hop, on va mettre ça là. Je sais pas ce qu'on va faire sur cette route là. Faudra qu'on voit. Et là, c'est... non, cosmos blanche. Enfin, blanc, c'est un cosmos, pas une cosmos. À chaque fois, je me trompe. Cosmos blanc, tulipe. Et cosmos... Voilà. Un peu plus de fleurs ici, en espérant que Marie nous dise « Ah, oh, c'est cool, il y a des fleurs partout maintenant !» Je sais pas si Marie nous dira ça. On pourrait faire cette zone-ci aussi, parce qu'on n'a pas encore faite, et j'ai des petites idées. Je vais laisser les maisons proches, comme ça. Au début, j'avais un peu de doute, entre guillemets. Hein. Je vous avais demandé plusieurs fois « Est-ce que je laisse ça comme ça ? Est-ce que je bouge tous les maisons pour les replacer contre la rivière ?» En fait, c'est pas mal que ce soit comme ça, ça va nous permettre de fermer le derrière. Je vais vous montrer ce que j'ai en tête. Déjà ici, on peut planter des fleurs. Voilà. On va récupérer ça. Petit gyromide. Voilà, lui aussi. On va récupérer l'entrepôt, du coup, qui est
ici, donc le débarras. On va récupérer des clôtures, évidemment. Maintenant, la question, c'est est-ce que je mets du motif en dessous? Je pense que oui. On va faire une petite terrasse ici au milieu. Je vais vous montrer mon idée. On va encadrer tout et on va poser des clôtures dessus. Au moins, comme ça, la zone sera vraiment bien délimitée. On aura vraiment genre une sorte, en fait, de jardin, quoi. Là, j'ai planté deux cosmos, j'abuse un peu. Mince, si on en a enlevé un, c'est pas ça que je voulais faire. My bad. Clôture végétale. Et on va les placer ici. Et là, je me tâte à en mettre un peu aussi. Voilà. Du coup, faut que je fasse le tour. On va faire ça comme ça. Est-ce que j'ai encore un cyprès? Comme ça, on pourrait faire une sorte de symétrie. Je sais pas si j'en ai encore un. On va regarder. Je sais plus c'est lequel, c'est le bleu ou le blanc. C'est le blanc. Ok. Heureusement, je dis que c'est le blanc et que je pose le bleu finalement. Je suis la pire. Hop. Et là, on va faire une terrasse. Donc, on va mettre ça. Pour faire plaisir à Marie, on va toujours dans l'optique de rajouter un peu de fleurs. Faire une ligne de 4 fleurs ici derrière. Donc, ça sera jaune, blanche, blanche et jaune. Alors, blanche, jaune, blanche et jaune. On va mettre du coup ici, on pourrait mettre une jardinière au fond. Comme les autres trucs, hein, coussin, enfin un coussin pouf marocain et table parasol avec jardinière au fond. Et ça peut le faire comme ça, non? Jardinière haute. Ici, du coup, c'est table parasol, pouce et ici le pouf marocain qu'on avait ici. Voilà, au moins comme ça c'est meublé et ça slay comme ça. On va peut-être juste pouvoir récupérer, attendez, un lampadaire rond. Pour le mettre devant le cyprès de l'autre côté aussi. Hop. On n'est pas trop mal comme ça. C'est plutôt slay, non? J'ai quand même tété. Juste histoire de voir si Marie elle, me donne une bonne note. Ça va être l'heure de l'inspection des travaux finis. Alors, voyons donc. Est-ce que ça a poussé d'ailleurs ma petite fleur là? Trop bizarre qu'elle n'ait pas poussé tout à l'heure. Bon, c'est bon, elle a poussé. Je sais pas pourquoi elle avait bugué. Peut-être qu'il y avait trop de fleurs qui poussaient. Enfin, je sais pas, je suis pas compris. Tant pis, hein. On fait avec. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ok, et par là-dedans alors, comment ça rend? Ça pousse, ça pousse. Ok, on va aller voir Marie. On va aller demander si cette fois-ci c'est un peu mieux. Je vous espérais que oui. Priez pour moi. Croisez vos doigts. Marie, debout là, réveille-toi là. Elle est en train de dormir, ça va pas ou quoi? On dort pas au travail, Marie. Bah alors, t'es payée pour dormir ou quoi? Elle est réputation de. Elle est pas payée en plus. Alors, oh purée encore. Toujours les fleurs ou pas? On va regarder. Toujours 4 étoiles, dommage. C'est amélioré. Ok, faut encore améliorer l'environnement naturel. Toujours les fleurs. Pourtant j'en mets Marie, hein. Je te jure j'en mets. Je pense qu'on n'a pas encore assez. Faudrait qu'on en remette sur les trottoirs et tout. Faire des petites zones où il y a des trucs comme ça. Mais enfin bref, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. D'ailleurs j'en profite, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais j'ai changé d'objectif de caméra. Ce qui veut dire que normalement vous me voyez de manière plus slay. Donc esthétiquement parlant, c'est quand même beaucoup plus joli. J'espère pour vous que vous préférez quand même cet objectif, ça m'a coûté un bras. Et sinon, sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. C'était cool à faire de décorer les petits jardins des habitants. Promis, la semaine prochaine, on continue ça. On va finir ceux qu'on n'a pas fait. Et on va essayer d'avancer un petit peu plus dans les autres zones également. Tout en essayant de rajouter des fleurs. Parce qu'il faut quand même qu'on avance. Parce que Marie, en fait, elle veut nous dire qu'on n'aura jamais les 5 étoiles sinon. Donc, il faut qu'on se bouge les fesses, hein, finalement. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée de rajouter à quelques endroits sur les trottoirs, justement, des espèces de petites zones de terre où on mettra des fleurs. Un peu en mode, on va appeler ça les petites jardinières de fleurs, si ça vous va. Donc, si on ajoute des petites jardinières de fleurs à droite à gauche, etc. dans l'île, est-ce que vous trouvez que ça peut passer en fait avec le thème? Est-ce que ça serait ok? J'attends vos retours dans les commentaires et sur ce, merci d'être resté jusqu'ici. Si jamais, vous pouvez toujours liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça me soutient énormément, donc merci pour ça. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous, bye tout le monde!